Vas-y. Best idée. Je sais pas pourquoi je pense qu'on aurait dû lui faire changer d'avis au sujet du Non, champignon. je sais pas pourquoi t'es open, moi, hein, c'est. C'est vrai que c'est toi qui as open. Responsable. C'est toi le responsable, toi qui voulais venir avec ton pauvre champi de merde. C'est vrai que j'ai mis un stun dans le vide. Faudrait pas que je fasse ça, quoi. On va avoir 0 stun. Ah, il en a enregistré sa sortie là en fait. Oh shit! Lol, lol, Mais je me suis fait toc. violer! J'ai pris une zone à 120, j'ai aucune régène. Attends, vas-y, je te régène. Attends, je t'amène à Scarab. On va voir comment il se débrouille ton mec. Quand t'as Scarab. On va voir, on va voir. Oh merde, c'est moi qui l'ai chopé. En dessus. Premier sarc. Vas-y, défonce-t'es. Eh, il a quand même mis un moins 23, regarde. Il vient nous sauver. Spin, spin, spin. Oh. Oh. Ah, tu me fais peur, ça. TP alors. Mais t'es tellement habitué à jouer avec beaucoup de régène, ça va pas te faire bizarre de jouer sans? Prépare-toi à avoir une tombe sur Gab. Ou alors sur le net, il va vouloir rusher stun. C'est ça que j'ai trouvé trop bizarre, mais les tombes que j'ai faites avec Sops, au moment où il voit notre rage, il rush dessus avec son knight. Ouais, tu la stun. Faut la stun avant 4 pas, hein. C'est tout ce que t'as à retenir. Champignon qui se promène avec des trucs. Mais il dash pas beaucoup, hein. C'est quand même relativement passif, hein, je trouve. Putain, quel mongol. Ah là, il vient de dash sur le cercle, par contre, il fait pas semblant quand il y va. Putain de trickster, le bordel. Ça sert à quoi qu'il y ait un mob qui dash? En fait, c'est dash para qui est intéressant. Enfin, entre guillemets intéressant. Non, dash decoy sur Oryx2, moi je dis. Le mob il va sur Oryx2, et après c'est la roulette russe. Où est-ce Oryx2. qu'il va tirer? On sait pas. Hein. Ah, mais il a le temps de skin de clear tous les trucs. Ouais, on a des grosses merdes, ça veut dire. En même temps, si on s'était pas amusé avec les scarabs comme des tardes dans le spawn room. Et comment il a dashing là? Dans le prochain sarc, on terminera pas, on va essayer. Regardez toutes les combien de secondes il dash. Putain, t'as des délires. Je suis fatigué de manger dehors des 4 heures de physique sur l'électromagnétisme, ça me saoule. Oh le jumping. Arrête de te faire oui, bordel. Mais en vrai, regarde, une tombe, tu l'as fait en combien de temps? Tu l'as fait genre en 15-20 10 minutes. 10-15 minutes? Moi j'aurais dit Voilà. 10-15 minutes. Et bah regarde, une Windseller, tu l'as fait 2 fois plus vite avec une loot drop et une loot tir, tu loot un Attends, top attends, et le tuez ouais, pas, tu le les as. tuez pas. Attention! Attention! C'est comme si il clignote ou. Il faut que tu t'approches. TOTO! Bon, c'est bon, la tombe sera pas trop ruine. Vas-y, il y en a deux de l'autre côté, tu play ou. Pas plane s'il a pas la vision. Hein. TP. En train d'écrire slash téléport. Non, je me suis pas cloqué comme un fils de pute pour pas que tu te TP au même moment. Je vois Roland qui galère avec un troupeau de scarabs qui le suit en mode.
Et ce cercle est dégueulasse. Là, oh, putain. Le record du rejeton dans ce lot, c'est combien de temps? Je sais pas, on va voir sur la chaîne d'Euromax. C'est tout ce que t'as retenu. Oh mec, je sais pas combien de tombes solo il a fait le mec. Tu peux nous mettre le rapido ou... C'est trop te demander. Qu'est-ce que tu veux? C'est du RMB chinois, je crois. Tout ce qui importe, c'est que ce soit drôle. J'en fais la punchline du coup. Il est assez hard. J'arrive. Sur son solex. Punchline. Il lag, non? Non. Non, moi j'entends genre 1-2. Est-ce que je trouve pas trop moche mon set alors que si j'avais un ex-HP... Non mais ton skin est déjà trop moche. Non, mon skin est trop stylé. Non mais mec, voilà. Tu vas encore dire qu'il soulève sa jupe. Attends, on va entendre une grosse punchline là. Hunting. Mais moi je l'entends en lag, mais genre à 200% quoi. J'aurais dit une syllabe, il la répète 3-4 fois, après il passe à une minute. Non, c'est juste qu'il dit un mot différent mais tu captes pas. Non, c'est sûr, c'est du live, j'ai déjà entendu plein de fois. Nous mettre du rap chinois. Ah, vas-y putain, j'ai vraiment cru que j'allais faire un cercle entier sans prendre deux wicks. Putain, mais j'ai tellement peur que Tipo meure avec son champion. En plus, c'est bien, c'est que ce sera moi le responsable, parce que ce mec qui aura open et tout, ils vont m'engueuler. Enfin, t'as tué Tipo. Tu sais que Nova il m'a quand même engueulé parce que c'est moi qui l'ai incité à faire cette chétane. Tu veux que je te rappelle que je suis en train de le... What? Qui est parti? Tu veux que je te rappelle que je suis en train de record? Ah ouais. Tout ce que tu diras sera entendu. Mais attends. Non mais tu coupes les voix ou bien? Ça sera pas mis. T'en fais pas, je vais pas couper. Ah ok, j'ai cru qu'il avait crash. Que du coup il n'aurait pas accès à la tombe. Là il est bien. Ouais. Il était déjà bien. Pas pour moi. Tellement retard. Bah je suis bien placé. Putain. Enough of your vandalism. Have awakeness. This will not be your tomb. Oh bien, je suis pas en train de Pourquoi j'étais fait sur toi en fait? Putain mais mec. Mais pourquoi j'ai fait ça? Ça c'est de la musique pour faire de la tombe. Bon bah c'est bon, je suis dedans. Comment faire une grosse connerie? J'espère que j'ai pas fait de conneries, je t'ai pas mis en danger. Écoutez du AC/DC. Get first. T'as vu la provoque qu'il a fait à Gab là? Popo moins 3. Oh le champi. Bah, dis-toi que Tipo, toute ta régène se résume à moi donc... T'es, demande si j'ai besoin de heal. Ça fait... Putain, j'ai pas moi. Là. Je crois que j'ai un peu tapé Gab. Vas-y, mais... En fait, il jump sur net. Ah, il pue la bise, ton champignon. Twerk. Oh, il a anti-twerk, il lui a jump dessus quand il twerkait. Il l'a buttfuck. Oh shit. Oh là là, quand il défonce notre. Il a du jump dessus, il va lui mettre un moins 3 et il revient. Il est inutile ce pet. Oh. Oh, j'entends pas du tout les bruits des boss et tout, ça, c'est très sympa.
Mais va le heal. Ah non, il a rien pris. D'accord, pour moi, clairement, t'es mort là normalement. Champi OP. Regarde. Il s'est cassé. Oh, moi j'en ai marre de ces conneries, je me casse. Oh putain. Je vais mettre un coup de champ. Allez, le droit pour les vrais. Zéro, ouais. Zéro. Oh putain, arrête. Oh putain, il fait plus vite. Pourquoi elle a changé de sens? Je comprends rien avec vos conneries. Aïe. Non mais... Et c'est le moment où on traverse. Wouhou. Ça va. Le pire c'est que la deuxième fois où je suis passé, j'avais plus de stun. C'est de la chine mais... T'as un fils le bordel. Oh, j'ai peut-être mis quelques coups d'acclim à côté moi. Peut-être, éventuellement. Oh, go, go 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 go. I want to break free. Tom Steel n'a pas un troll. J'ai un stun dans 2 minutes, tu vois. J'espère que t'as de la MP pote. Est-ce que c'est bon qu'il a fait? Non. Il commence à baliser. En mode... I want to break free. Oh merde, quoi, Yed, putain, j'étais full mana. Je troll ça. Oh, c'est le moment, c'est le mec. Oh non, pas. J'ai trop pas envie de me faire quiet quoi, c'est... C'est une rage? Ouais. Donc c'est à dire faut pas que j'y aille. Ah putain. Tu l'as eu? Sans stun, bitch. Oh, white bag. Life. OMG. Enfin zéro. Non, zéro. J'ai eu un sphinx moi donc Tu peux pas test le champi. T'as bu des MP potes? Non. J'ai eu un stun sur note. Après j'ai couru dans l'autre sens. Vas-y, triple buff. Oh là là, c'est dégueulasse sa voix, ce type. Non, mais sérieusement, quoi, tu l'entends. Tu l'imagines de quelle couleur son poncho? Vert. Je voyais plus un truc orange. Ouais, moi aussi. Moi, j'essaie de sauver le soldat au typo, là, en fait. Mais tu sais, je m'en sors bien, hein. C'est moi qui ai fait notre âge et tout. Hein. Oh, pas ouais. J'ai déjà fait des tombes sans pète. Hein. T'as un pète là, c'est plus OP que ton corille. Il vient de faire un petit dachine. C'est au moment où tu dis t'as un pète là. Il est au milieu, qu'est-ce qu'il fout là? Il est au milieu de la tombe et il clignote tout seul. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Ah mais putain, mais tu me ramènes combien d'artifs?
J'ai cloque. Il y avait plein d'artefacts qui fonçaient sur moi. J'ai cloque, je les ai tous vu partir. Je me suis dit, sur qui ils vont aller? Mais putain, mais, ah, mais qu'est-ce qu'il fout ton pet? Il est bugué son pet avec con. Je vais aller sur lui avec un Jérôme. C'est vrai que ça paraît une tellement bonne idée. Il a Dashin et depuis il bouge plus. Tu le vois? Ripper le mushroom quoi. Quand tu t'approches, toi tu le vois. On va peut-être aller taper un peu. Ouais, parce que moi avec le pet j'ai pas envie de le parrain. Du coup, c'est un peu chaud pour. Pourquoi tu veux pas le barin? Ah, il spin vite. Ah, ça va être chiant. Ah, c'est vrai qu'il spin super vite. C'est à cause de Fares. C'est toujours la faute du rail, tout s'entendre. Ah, je l'ai mis un coup. Je l'ai mis bien, je l'ai mis bien cher. On devrait pas être loin. Rage. Lance tempête au typo. Il a dash sur les scarabs. Bon. Life. Merde, il fight. Non mais sérieux, c'est quoi ces tombes à 3 life là? Il fight les Nile artefacts. Bah 0-3, super. Je suis happy. 2-3. Bon bah du coup je te passe ma life et je garde ce précieux sphinx. Putain, j'ai failli te les juger. Allez. Il ressort avec 3-3. Non mais si... Attends. Parce que du coup... Attends, j'ai réfléchi. C'était Faris qui était sorti sans life à la première tombe. Ouais. Vas-y, bah tu vas sortir avec une life là. C'est vrai. Donc, Mais par contre, c'est ton mode nazi quoi. Oh, même. Merci. J'aurais dû mourir, ça nous aurait fait un souvenir. Souvenir de Otipo le Mexicain. Le champignon Otipo, le Mexicain pirate. Mort en temps.